Ouais, allô, allô, ça dit quoi? Attends, attends, je suis préoccupé là, je fais une petite vidéo là. En deux spi là, rapide, une petite vidéo, tranquille, une story time, t'inquiète, ça n'a pas duré longtemps, je te rappelle après. I call you back after, man. Yeah, ok, hey, don't tell me ta gueule. Yeah, ok, good. Générique. Pablo, Pablo, j'essaie juste d'être Pablo, de mettre quelque chose sur la table. Et ces fils de salauds veulent m'empêcher de brasser dans le sale. Et je veux un Boeing comme Tamblo, pour pas que la police vienne nous bloquer. Ouais, je veux un Boeing comme Tamblo, pour pas que la police vienne nous bloquer. Ok, je suis chaud pour les choquer. Bah oui. Ok les gars, donc du coup, ben, comme donc aujourd'hui, story time, ce qui m'est arrivé, ça date de il y a 2-3 ans, je crois, ouais, c'est ça. Donc comme le titre le dit, les gars, cette vidéo va parler de trucs pas très bien, quoi. Donc je suis pas fier, j'ai honte. Enfin, j'ai honte. J'ai pas vraiment honte. Mais bon, vous allez comprendre pourquoi. Je suis pas fier, mais bon, aujourd'hui je le dis avec le sourire, puisque bon, ça date un peu. C'est pas dans ma nature, mais bon. On avait besoin, quoi. Donc du coup en fait, donc du coup maman, désolé, les filles en question, les victimes, désolé. Vous voyez bien, je suis en amour, je suis en sucre, donc désolé, franchement désolé. Donc du coup en fait, ça date, mais du coup il y a 2-3 ans. Donc c'était une période où j'avais pas d'argent, genre j'avais pas d'argent, je sais pas comment c'est arrivé, c'est pas genre je dépense à tout va, mais j'avais plus de thunes. Donc et à l'époque, il y avait mon ex qui était chez moi. Genre, elle habitait pas là, mais elle était là pendant. Elle squattait, quoi. Vous connaissez les femmes. Non, mais en gros, non, je rigole. En gros, elle était là. Enfin, on était deux, quoi. Donc, on était là, on galérait, on galérait, on galérait. Donc, moi, je demande à mon cousin, ouais, est-ce qu'il y a un moyen que tu nous dépannes? Enfin, que ouais, tu me donnes 20 ou 30 euros. Je crois que c'était 30 euros dans mon souvenir. Ouais, donne-moi 30 euros. Non, 20 euros. Je me rappelle, c'était un seul billet. Donc, je vais chez lui, il me donne 20 euros et tout. Nanana. Ok, il me donne 20 euros. Donc, du coup, on se dit, là, il faut qu'on ajoute tactique. Ça veut dire, en gros, là, il faut qu'on. Faut qu'on dose, faut qu'on réfléchisse. Ça veut dire qu'avec les 20 euros, on doit tenir jusqu'à une prochaine, soit ben, une prochaine bourse ou une prochaine rentrée d'argent, que ce soit pour toi ou pour moi. Donc on se dit ça. Donc ce qu'on fait, c'est que tous les jours, on va à Carrefour City, on prend une baguette à 1,25€, une bien croustillante, vous connaissez comme ça là. Une baguette à 1,25€, ça veut dire du beurre qui traînait là, enfin ouais, une plaquette de beurre, du beurre quoi. Et du coup, on achetait aussi les boîtes de pâté là, les boîtes rondes, on achetait ça. Donc du coup tous les jours on faisait beurre, pâté, pain. Bon, pain, beurre, pâté, pain, beurre, pâté pendant une semaine et demie, 2 semaines. Donc tous les jours c'était comme ça, pain, beurre, pâté. Donc du coup après, ben, là cette semaine ça elle s'écoule, ça veut dire en gros on n'a plus d'argent, on a plus d'argent, donc on peut pas acheter des trucs à manger. Donc on est là, putain, qu'est-ce qu'on va faire? Moi dans ma tête je suis là, bon franchement là, je suis prêt à prendre 10 ans, moi, dans ma tête, je suis là, ouais, franchement, là, c'est bon, les gars, c'est plus thune, j'ai marre de demander, j'ai marre de dépendre des gens, nanana. Donc là, je suis prêt à faire un gros casse, là. Franchement, là, ouais, moi, là, je suis en mode Pablo, là, je suis prêt à tout. Donc, du coup, en fait, on a un pote en commun. Allez, on va l'appeler, ouais, Kevin, puisque Kevin, c'était le nom qu'on a utilisé pour ce braquage de la honte. Donc, avec Kevin, du coup, ben, on s'est dit, écoute, pour pas qu'on nous reconnaisse, on va t'appeler Kevin, moi on va m'appeler Dylan, et allez, on va appeler mon ex Allison. Du coup, on va chez ce Kevin un soir. On est trop en galère et tout, on est là en galère, enfin, on est là, on est posé, tu vois, on est pauvre, on a faim, on n'a plus de thunes, on a marre de demander, on est trop fier, tu vois. Donc en gros, on est là, Kevin, et puis je vois chez Kevin qu'il y a un pistolet en plastique. Vous voyez les pistolets en mode airsoft, là, les petits trucs, hein, ça lâche des bijoux, là. On voit qu'il y a ça. Donc moi je suis là, ouais les gars. Franchement, les gars, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais, les mecs. Non, en gros, mais moi, je me rappelle à l'époque, j'ai dit, ouais, les gars, venez, on braque le Crédit Agricole, on braque 50 000 euros, venez, les gars, allez, nanana. Et ils me disent, bon, calme-toi, bon, en gros, merci, les gars, d'ailleurs. Ils me disent, oh, qu'est-ce que tu racontes, frère, on va braquer le Crédit Agricole. Donc, du coup, au final, on se pose et on se dit, par contre, il faut qu'on fasse un truc. Il faut qu'on fasse quelque chose quand, je sais pas. Qu'on vole, qu'on braque, ce que tu veux, mais qu'on puisse avoir de l'argent pour manger, quoi. Donc, on décide, du coup, on prend les colons que Alison, j'allais dire Alicia, que Alison avait, et on prend les colons, on les découpe, et tout, nanana. Donc, on prend ça en guise de cagoule, quoi. Donc, on prend les colons et tout, des colons noirs, ok. Ensuite, on marche dans la ville. Donc,
on met en place un petit plan. Kevin et moi, on va aborder, enfin, on va aborder. On va voir les gens, on va leur soutirer de l'argent. Et Alison reste loin en mode. Elle guette, quoi. Elle surveille s'il y a un truc qui nous appelle, comme ça, bon, moi, soit en cours, soit peu importe, tu vois. Au moins, on n'est pas ensemble. Donc, du coup, on va voir. Donc, du coup, on marche 1 heure, 2 heures. On ne trouve rien, on marche. Après, on voit au loin 2 filles. Kevin et moi, on voit 2 filles. On est là, oh, c'est maintenant ou jamais. On va voir les filles et tout. Donc, Kevin, grand, costaud, la salle et tout. Kevin, il reste. Enfin, c'est Kevin qui va voir les filles. Il va les voir et tout, en mode. Et moi, voilà, moi, pas trop grand, pas trop costaud. Donc, je reste au loin avec l'arme. Je suis en mode. En gros, là, t'inquiète, mec, charvet, t'es rien. Tu vois, en mode, je suis là avec l'arme. Kevin va les voir. Ouais, les filles, là. Voilà, donnez-moi ce que vous avez et tout. Nanana. Tu connais, il prend sa voix en mode fâché. Moi, Donc, elles sont là, mais je comprends pas. Au début, elles sont là, mais qu'est-ce qui se passe? Quand ils veulent mon snap, ils veulent mon numéro. Non, non, les filles, désolé, pas ce soir. Donc, elles sont là en mode, je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a, comment ça, et on va vous donner ce qu'on a et tout. Ouais, les filles, là, donnez-moi ce que vous avez et tout. Moi, tu connais, je suis là au loin. Je me dis, en vrai, je me dis, il faut que. En fait, si on se passe sérieux, soit je vais rire, soit je vais courir, je sais pas, tu vois, peu importe, je sais pas. Donc, moi, je suis là, ouais, Kevin, là. Après, elle commence à pleurer, la fille. Ouais, mais de arrêter, je viens d'arriver ici, de machin contre une tienne, tu vois, elle commence à pleurer, quoi. Donc, moi, je suis là, au loin, Kevin, là, arrête, là, elles font que pleurnicher, là, j'ai marqué pleurniche, là, pour tout ce qu'elles ont, pour tout ce qu'elles ont. Allez, allez, Kevin, là. Donc, là, il est là, ouais, les filles, il commence à hausser le ton. Après, il leur dit, les filles, voilà, vos portables. Portable, on voit que c'est des iPhones, on voit que, en gros, vous connaissez iPhone, localisation, bref, c'est la merde. Donc, on est là, putain, donc on est là, on sait pas quoi faire, on sait pas comment braquer, on sait pas quoi demander aux gens, en fait, on sait pas. Donc, on est là, putain, bon, ok. On réfléchit, puis après, on dit, bon, écoutez, les filles, on fait un truc, il y avait un distributeur tout près. On leur dit, bah, écoutez, les filles, allez retirer de l'argent, et en gros, vous retirez l'argent, comme ça, moi, ce soir, nous, on repart avec un truc, et on pourra manger, quoi. Donc, elles vont retirer l'argent. Kevin reste tout près d'elle en mode pareil, costaud. Il surveille, tu vois. Il fait peur. J'avoue, Kevin, il fait peur. Et moi, pareil, je suis au noir avec mon arme et tout, tranquille. Au cas où s'il y a une qui veut détaler, moi, je l'allume, tu vois. Non, mais je rigole. Mais en gros, Kevin est avec nous. Donc, ok, il retire l'argent. Et moi, aujourd'hui, j'en rigole. Hein. Mais à l'époque, on était content. Elle retire 50 euros. On prend les 50 euros. On est trois, hein. Il faut rappeler qu'on est trois. Il faut conduire 1 semaine, 2 semaines. On sait pas combien de temps, mais. C'est pas 3 jours quoi, c'est un minimum 1 semaine. Puisque c'était au milieu du mois, je me rappelle, je crois. Et du coup, ok, 50 euros. Ok, merci les filles. On part. Alison, où était où? Elle nous rejoint et tout. Et là, on marche, on voit qu'une voiture s'arrête tout près de nous en mode. Tu vois, une voiture en noir, nanana, il y a 2 gars au fond. On sait, ouais, c'était la police, genre la BAC quoi. Je pense que les filles ont appelé la police, elles ont dû dire ouais, 2 gars m'ont agressé et tout. Et comme ils ont vu qu'on n'était pas deux, on était trois avec une fille, je pense qu'ils se sont dit, c'est pas eux. Donc merci à Alison. Donc grâce à toi, on n'a pas été au poste. Donc en gros, ils s'arrêtent et puis ils repartent, tu vois. Ok. Donc nous, on est content, on a 50 euros, on a réussi à soutirer de l'argent, on est content, on est là, ouais, ben c'est bon, les gars, on pourra manger, on pourra revivre. Donc nous, comme dès qu'on fait, quand on va à l'épicerie, on est là, madeleine, chips, jus d'orange. Je me rappelle, un jus gazeux, un jus non gazeux, tu connais pour la forme, puis on est là, c'est la fête, quoi. Après, on est là, on mange, on va chez Kevin, on mange. Après, on se dit, mais au final, les gars, on est con. Sur les 50 euros, on a utilisé, je crois, 16 euros. Non, même pas, 15,50, puisqu'il restait 34,50, un truc comme ça. On a utilisé 15,50 euros. Ça veut dire qu'il reste 34,50. Ça veut dire qu'en gros, nous, on est 3, il reste 34 euros, il faut qu'on tienne. On est là, bon. Donc, en gros, on dit, bon, écoute, Kevin, garde les 14 euros. Comme t'es seul, nous, on est deux, on garde les 20 euros, tu vois. Donc, après, ben, on rentre à la maison et tout. Lendemain, même rengaine, même histoire, on est là. Pain, beurre, pâté, pain, beurre, pâté. Et après, je sais pas comment ça s'est arrangé, mais en gros, je crois, soit j'ai eu ma bourse, soit il s'est passé un truc, mais je sais qu'en fait, ça s'est arrangé, je sais même plus comment, les gars, pour vous dire. Les gars, en gros, voilà, tout ça pour dire que moi, j'ai raconté ça rapidement, mais en gros, voilà, c'était des péripéties, hein, cette période. Donc, du coup, voilà, quoi, en gros, bah, c'était ça, en fait, c'est ce qui, ça m'est arrivé, on a fait ça. Je suis pas fier, les gars. Si. Il y a un petit conseil que je peux donner, une petite morale, c'est que, ouais, en gros, voilà, maintenant j'ai appris que dans la vie, bon, il faut être, bon, voilà, il faut pas tout le temps faire le fier, tu vois, si t'es en galère, demande, il y a toujours des gens, vous savez, ils sont là pour vous, en fait. En vrai de vrai, il y a toujours des gens, tu sais, ils vont pas te juger, ils vont pas te dire, ouais, t'abuses, nanana.
sans abuser non plus, quoi. Mais il y a des gens, on va dire, les vrais de vrais, ils sont là. Donc, si vous êtes en galère, les gars, n'ayez pas honte, demandez-leur. Bon, maintenant, voilà, c'est ça. Maman, maman, maman. Avant ma mère, pour moi, c'était impossible. Maintenant, voilà, maman, je suis en galère. Est-ce que tu peux m'aider? Pareil, j'ai un pote. Ouais, il pèse, quoi. Enfin, il pèse. Je sais pas, il a toujours un peu de sous. Donc, je l'appelle, je lui demande et tout. Donc, voilà, faites pas de bêtises. Faites pas de conneries. Bon, on va dire, nous, ça s'est bien passé. Entre guillemets, puisque, bon, moi, ça me fait un peu chier. Je regrette un peu. Enfin, je regrette l'acte, puisque voilà, ça a mis deux femmes, voilà, c'est simple de faire ça, afin de profiter sur plus faible, mais bon, bref. Donc, du coup, voilà quoi, s'il faut, ça traumatise les filles et tout. Donc, je regrette l'acte, mais pas ce que ça m'a apporté, puisque grâce à ça, on a pu manger, on a pu ouais, manger et puis un peu tenir, quoi. Mais voilà, en gros, si j'ai un conseil à donner, les gars, c'est ça, franchement, la petite morale de l'histoire, de ce truc que j'ai, qui est un peu maintenant, bon, pas drôle, mais bon, c'est plus facile de le raconter qu'à l'époque. Donc du coup voilà, en galère, si vous galérez, demandez, il y a toujours du monde. Même demandez-moi les gars, si ça a porté demain 10, 15 euros, je peux aider, donc voilà quoi. Mais du coup, putain, cette histoire du braquage, quand même, c'était un truc. Hein. Du coup, après voilà, Kevin, il voulait plus, donc, il n'en parlait plus, il était là, nanana, bref, trop la honte. Alison même, elle était prête à, elle, je sais pas, elle est un peu tordue, elle était prête à recommencer, je crois. Hein. Donc du coup, voilà les gars, ça pour dire que voilà, c'était un peu le... L'histoire du braquage. Ah là, ça me tuera toujours autant. Donc les gars, si vous avez kiffé, likez. Si vous n'avez pas kiffé, likez. Pouce bleu. Et donc du coup, voilà. Donc likez, cloche, partagez. Et puis voilà, on se tient au jus, les gars. C'est comme ça. On est ensemble, les gars. La team J, on est ensemble. Et puis on s'aime. Et puis, love, 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 quoi. Et à la monnaie, je la tromperai jamais, même si j'aimais son teint, j'aurais jamais son temps. Mais ça, elle le savait. De A à Z, j'ai fait le plan à la base, je veux salaire que moi, mettre ça là-bas. Si tout se passe bien, je vais au Bahamas. Si mon drogue vient, je vais au Banana. Il parle trop, donc je l'ai qu'à la page, mais mon survêt, je mets ma carapace. Je reviens sur les toits comme des fétiches de Caraba. Les barrettes, c'est pas des blagues carambas. De A à Z, j'ai fait le plan à la base, je veux salaire que moi, mettre ça là-bas.